Sur le site de Bordeaux, la création du département environnement et agronomie a eu un peu un effet Big Bang. Les anciennes unités d'agronomie, de bioclimatologie, de recherche forestière ont disparu. Elles correspondaient aux anciens départements. Et de nouvelles unités ont vu le jour avec de nouveaux périmètres et de nouveaux partenaires. TCEM et EFIS qui ont ensuite fusionné pour donner ISPA, interaction sol-plante-atmosphère, EGFV, écophysiologie et génomique fonctionnelle de la vigne, l'USRAV pour les analyses végétales et l'unité expérimentale viticole. Et ces nouvelles unités, avec de nouveaux périmètres et de nouveaux partenaires, ont permis une prise en charge plus explicite et plus efficace des thématiques de recherche à l'interface agriculture-environnement.